Pour être sûr qu'ils avancent pas, parce qu'ils avancent. Ok. Donc là, en fait, donc ils se sont assis hein, afin de. Putain, les gars, ils sont déprimés. Afin de d'être sûr en fait que la ligne de CRS n'avance pas. Je vais aller faire un tour du coup un peu plus loin pour voir comment ça se passe derrière. Allez, deux minutes. Je m'énerve avec ma tige là. Salut, les dirige toutes. Hop là. Donc voilà, je vais aller voir là, il y a Virgile qui est à côté. C'est l'anneau. Voir s'il a eu d'autres infos. Est-ce que tu as eu d'autres infos? Rien du tout. Ok. Pose des questions sur le mec au parleur qui n'était pas du tout dans le mouvement. Non, moi je l'ai entendu hein, parler. Non, je l'ai entendu il y a quelques jours déjà. Ouais. Parler à la GP. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui ont des buts, d'où il vient, son background, parce qu'il n'a pas trop de choix ici. Et Benito, du coup, il est rentré ou pas? Alors Benito, du coup, il m'a montré son téléphone, ouais, pareil, on l'a filmé. Je sais pas, du coup, a priori, il tourne toujours. Hein. Son écran est cassé, mais il continue de tourner. Il tourne aussi, il y a 1500 personnes qui le suivent là. Et, Ouais, continuez hein, de tweeter, continuez de relayer l'info. C'est nous, on filme, mais c'est votre boulot de relayer. Et plus vous relayez, du coup, plus ça... Ça pourra pas rester au silence en fait. Mon micro, mais qu'est-ce qu'il a mon micro? Ah oui. Et là, c'est mieux mon micro? En fait, je pense que tout à l'heure, la demoiselle, en fait. La demoiselle tout à l'heure a dû tirer sur mon fil. Je m'en étais pas rendu compte. Donc continuez de partager. Merci pour tout vos cœurs. Ça va aider tout ça. Voilà. Donc moi en fait je suis indépendant, donc en ce moment du coup je me focalise là sur le mouvement. Mais oui, je bosse sinon, il n'y a pas de mal. Et du coup, là, j'ai mis en stand-by pour ce qui se passe là. Ça marche pas là, le micro? Et là, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux là? Ok, super. Merci. Désolé. Bon, donc. Ok. Bon, il n'y a rien qui évolue là. Pardon. Vas-y. Il y a eu des nouvelles ou pas? Bah écoute, depuis tout à l'heure, non. Ça n'a pas bougé. Moi j'ai proposé qu'on aille là-bas ou là-bas, histoire d'avancer, parce qu'ils ne pourront pas nous stopper. Ah oui, mais aller où? Le but c'est d'avancer, faire quoi? De revendiquer, d'avancer dans la vie, tu vois. Là on est bloqué à cause d'un barrage ici. Donc la fierté c'est, non on veut rester ici pour nos camarades. En fait, ouais, d'accord, faudrait, ouais. Je comprends. Le souci c'est, soit tu avances et tu fais chier les gens qui veulent faire chier, soit tu restes comme un mouton. C'est pour ça que j'ai dit, venez on va là-bas, genre. Après, c'est adepte ou c'est pas adepte, le souci c'est que c'est pas ça. Pour le faire. Allez, on se bat! C'est bon, c'est revenu. Alors,
fait, lui, il voudrait que les gens bougent, en fait, dans la ville. C'est ça qu'il disait. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades. Bon, je vais en profiter, moi, pour refaire mon petit install. Libérez nos camarades, libérez nos camarades. Hop là, voilà. Moi je suis toujours présent, taqué. Pourquoi il y a des petits cœurs hein? Parce que les gens aiment. Ah, il y a 550 quand même. Ah bah là, tout à l'heure, il y en avait 1000. Il faut que ça continue là. Comment? T'as pas ton matos? Moi j'ai juste des batteries en plus. C'est ça. Je vais appeler, allez, allez! Eh, venez! Vite à la police! Ah ouais, du coup. Je connais pas Marie Fiorge en fait. Bah, moi je connaissais pas il y a une semaine. Ah bah, c'est bien. Avec Vincent Aurier, il connaît. Oui, voilà. Et du coup. Bah, tu fous de ma gueule. De quoi? Je rigole. Vincent Aurier, Aurier. Oui? Serge Aurier. Ah ouais, il y a du monde, bah ouais, ils sont tous solidaires, il y a vraiment partout en France, voire même à l'étranger. Tu nous approches, t'es bien là? Non, non, bah là on est bien de toute façon. Tu nous approches, hein? Non, non, mais tout va bien, j'arrête pas de faire le tour en fait. Ouais. Je sais pas comment ça se passe, Périscope. Bah, les gens interagissent en direct. Cœur, là. C'est quoi là? Les là, c'est les gens. Ouais, c'est ça, c'est les gens. Ouais, exactement. Mon pote, t'es à combien là? Ah là, hier, j'étais à 300 000. Là. Et à gauche, c'est les commentaires. À gauche, c'est les commentaires. T'as été à 300 hier, 000 quoi avait... Les cœurs? Ouais. Hier. Et les gens entendent là, ouais, là, là tout le monde entend là. Hier, il y avait 11 000 spectateurs, il y a eu 1167 heures de rediff. Ah ouais, il y a des rediffs. Comme des partages quoi. Ah non, mais en fait, c'est le temps cumulé des gens qui ont vu la vidéo. Et là, je parle pas des replays. C'est possible de replayer. Et tu sais si c'est des Français ou si c'est... Il y a tout là, il y a vraiment, il y a toute la France et il y a plein de gens de quel coin de la France et il y a même à l'étranger. C'est très faible. Attends, les cœurs. C'est pour une chaîne. Là, c'est très très faible. Des likes. Ouais. Genre. Ouais, ouais. Chaque cœur, c'est un like. Ouais. Chaque like, c'est un cœur. Ouais, je suis périphérique. Ouais. Tu peux pas brancher là ou lever les bras? Bon, allez, on va aller à l'intérieur. On va aller voir. Hey, mec, s'il te plaît. Tu vas prendre le mégaphone, libérez, tu vas parler un peu. Parce que moi je suis... Moi j'ai pas à parler, moi j'ai aucune envie de parler. C'est pas dire que je parle. Libérez, parce que tout le monde parle en cœur, mais il y a que toi qui sais que... Ah mais non, mais... Tu vois. Libérez, il y a plein de gens qui peuvent parler là. Libérez, je suis d'accord avec toi. Mais pour dire quoi en plus, pour dire info? Moi je vais laisser faire. Ah mais et pour dire quoi? Je sais pas, pour dire que là ils sont à un mètre. Comment t'avais eu l'info tout à l'heure? Par Clément. C'est l'intérieur. Parce que même toi tu doutes. Par Laurent. Mais non mais d'accord, mais là ce qu'on voit c'est qu'il sort pas, donc c'est pour ça que ça fait douter tout simplement. Le mec il a fait un délit, ils vont le garder en garde à vue jusqu'à demain 8h. Ça sert à quoi? Il a fait un délit. Bah là pourquoi t'as dit qu'ils allaient le libérer alors? C'est quoi comme délit? Écoute, tu sais que je suis schizophrène moi. Je sors d'un hôpital psychiatrique, je fais un spectacle comique, je suis humoriste.
ok. J'ai un dossier comme ça, moi, à la police. Et je touche la côte au REP, ok. Oui, mais qu'est-ce que j'ai vu? Donc déjà, je suis pas policier, ok. Et ah, c'est pas parce que je suis communiste que j'ai mis un brassard. Mais moi, j'ai jamais dit ça. Ouais, donc faut arrêter. Moi, j'ai jamais dit. Un flic qui va venir là, dans les manifestants. Mais t'es grave, toi. Mais je sais jamais. C'est comme les dealers, dès qu'ils voient un mec un peu sérieux, ils disent « Ah, c'est un dealer ». Ouais, non, mais moi, tu m'as vu dans la tente ou pas? Tu m'as vu? Ah oui, j'ai vu la main, donc c'est quoi le problème, là? Je comprends pas, c'est quoi cette agressivité? N'importe quoi. Ça, c'est bien, des bisous. Salut, ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'aimerais bien le savoir, ce qui se passe là. Tout le monde aimerait bien le savoir. Bah ouais, c'est clair. Je pense qu'on va rester ici. Ouais, bah ouais, mais là, a priori, je vous la montre. Quelle heure il est là? 1h55. Il y a des gens qui ont des contacts avec l'autre groupe ou pas? Il y en a qui le savent, mais. Pas plus spécial. Ouais, le mec de tout à l'heure là qui a pris le micro, Baptiste là. Bah, il a eu un comportement assez bizarre là, par rapport à moi là tout à l'heure. Il est tout le temps à République, voilà. Et il pose des questions aux gens. À partir de ce moment-là, il est venu parler il y a deux jours pour me demander ce que je faisais. Oh, le bon, les gars. Est-ce que vous auriez du feu? Bien sûr. Cool. J'entendais plus là? J'entendais. Hop. Ah bah oui, ah non, c'est bon. Le micro il est là, tout va bien. Bien sûr. Bon, du coup, là, c'est très frontal et en même temps, il se passe rien. Ils veulent en fait qu'il y a Baptiste, donc un manifestant d'une manifestation d'avant. En fait, qui est en garde à vue, ils voudraient qu'il sorte. Combien de temps tu as passé? Là, ça fait un petit moment, là. Hein. Ça se compte en heures. Plus de 3 heures. Et puis là, il y a tout le quartier. Là, moi, j'ai tourné, il y a tout le quartier qui est bouclé. Merci, Roby. Bonne nuit. Yes, à demain. Oh,
je couvre en République hein, tous les jours. Abonnez-vous hein, d'ailleurs. Suivez-moi, comme ça vous avez les notifs directs dès que je recommence les flux. Je me suis bien équipé, du coup c'est flux constant à chaque fois que c'est parti. Salut Raph, à demain. Donc je le rappelle hein, pour ceux qui sont arrivés, donc là il y a une mobilisation qui est donc divisée en deux groupes. Un au croisement de la rue Croissant et de la rue Montmartre. Et donc là, là où on est, donc, au niveau de la rue Montmartre et de la rue Réaumur. Donc il y a les forces de police du coup qui sont entre les deux. Et qui du coup là c'est le statu quo. C'est... Tout à l'heure donc au niveau de la mobilisation, il y avait clairement beaucoup plus de gens que de force de police, là ça commence à s'équilibrer clairement. Tu vois bien là. Ouais, ouais. Quelques mains. Est-ce qu'ils ont fait sortir des gens de l'OTNAS pour les ramener là ou pas? Non. D'accord. Ça n'a rien passé en fait. Non. Hop là. Bon, je vais vous poser parce que je commence à avoir mal au bras. Hop là. Voilà. Ah. Ah, toi aussi, tu périscopes? Oui. Non, non, mais toi, t'es très très bien. Putain, 500 personnes. Mais c'est rien, tout à l'heure, on était à 1000. Comment j'ai fait quoi? Bah, je filme tous les jours, en fait. Allez voir des villes. Bah là, il faut que tu donnes ton compte en fait. Bah, moi, je mets des hashtags. Donc là, les hashtags, c'est live debout et c'est nuit debout. Bah, mets des hashtags. Mais toi, t'es beau, quoi, t'es. Mais sur Twitter, mets des hashtags, tu mets nuit debout, machin et tout. Je sais pas comment on fait. Attends. Comment? Non, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup là. C'est normal, je fais sa pub, t'as entendu? Parce qu'il a un groupe de rap en fait, c'est pour ça qu'il fait ouais, sa pub. Allez l'écouter, il est long. Allez l'écouter, il est très très chaud. Donc voilà, les périscopeurs se multiplient. Elle cherche en stage. A titre d'info d'ailleurs, hey, si tu commences, je peux te filer des tips. Des astuces. Regarde. C'est ça qu'il te faut. Ça, c'est une batterie, ça dure la journée. Ah ouais? Et il y a un autre truc, c'est que là, tu vas éclater ton forfait internet de ouf. Et du coup, tu peux choper des cartes free qui sont juste des cartes unitaires. Donc c'est, même si c'est un abonnement, c'est juste au mois, donc tu t'en fous.
et c'est 50 gigas, 30 euros. Du coup, ça te permet de couvrir tranquillement. 5 gigas là. Ah ouais, ouais. Moi, avec 5 gigas, j'ai fait 2 jours. Ouais, ouais, mais ça va pas tenir longtemps, moi. Tu vas voir. Et après, il y a d'autres astuces, tu vois. Là, par exemple, moi, je me suis chopé une lampe, du coup, qui est branchée aussi en USB. Du coup, on peut éclairer. Enfin, et puis tu vas voir, après, moi, hier, il y avait la flotte. Du coup, tu t'équipes, quoi. Mmh. Au bout d'un moment, tu commences à prévoir le bordel, quoi. Bon allez, je vous remonte là, donc c'est le statu quo. Hein. Il y a tout le monde qui est là, toujours, ça ne désemplit pas. Ici par exemple, ils chargent, ils vont foncer sur toi, non? Ouais. Ah ouais, tu vas faire comment? Ça va être chaud. Bah ouais. C'est le principe. Ouais, il y a eu des moments où c'était chaud, on était dedans, ouais. Mais bon, pour l'instant, tout se passe bien. Mais il y a Benito, là, un autre périscopeur qui vient de se faire matraquer son téléphone. Ah ouais? Ah bah ouais, ouais. Alors, ça y est, là, a priori, la situation se débloque. Alors, attendez, je vais aller plus près pour récupérer les infos plus précisément. Alors, attendez. Excusez-moi. Alors, attendez, je vais aller plus près pour récupérer les infos plus précisément. Alors, attendez. Excusez-moi. D'accord, mais là, Baptiste, du coup, il est libéré, il est quoi? Baptiste, visiblement, il est en garde à vue, ils ne vont pas le libérer de toute façon. Après, les autres, il y a eu des contacts avec d'autres personnes dans les NAS là-bas. D'accord. Ok. Ça marche. Je vais voir ta tête, je suis pas inquiète. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur cachet? Il est où la nana qui a passé l'annonce? Marie. Parce que ça se passe comment là? Elle est gentille à nous donner des trucs. Bon, ça se réorganise, je sais pas trop là. C'est encore un peu flou. C'est encore un peu flou, mais a priori, il y aurait un re-rassemblement des deux groupes. Okay. Mais alors, a priori, pour aller vers Répu, je sais pas bien exactement. Il a été en retard. Donc là, a priori, il y a une organisation en fait des deux donc, groupes pour se rejoindre. Il n'y a plus de micro. Attendez, je vais... Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Et là, c'est bon aussi? Ok, c'est cool. Bon. Donc, ça risque de bouger là, incessamment sous peu, a priori. Benito, t'as eu des news toi? Non, par contre je sais pourquoi il rigolait. Voilà, donc voilà la raison pourquoi il rigolait derrière moi. Donc c'était prévu. Ah oui, d'accord.
Ok. Voilà. Non, parce qu'en fait là, donc Benito qui périscope aussi vient de se faire casser son téléphone. Ah, c'est toi qui m'as dit Avec une matraque donc des CRS. Ouais, par derrière. Et du coup, par derrière, et donc les CRS rigolaient. En fait, du coup là, ils rigolaient parce que juste à côté, il y a marqué iPhonecassé.fr. Oh, voilà. Les bâtards, vous avez entendu ? Oh, les bâtards. Vraiment, aidez-moi, témoigner, faire des photos, partager des photos, que vous pouvez prendre les photos. En tout cas, c'est plutôt 714, ça serait vraiment cool de votre part pour que vous puissiez les trouver pour la semaine. En ce sens, je me saigne. C'est plus simple pour... Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Bon, ça réguise là. Commence à danser là. Ça tient chaud. Donc là, on voit, voilà, c'est toujours le statu quo devant la ligne de CRS. Ouais, mais bon, ils vont pas libérer les camarades. Voilà, t'as du soutien. Il dit il faut qu'il t'en paye un autre. C'est vraiment cool. Hein. Ah ouais, carrément. Ah oui, et du coup, même au niveau de sa main, du coup, étant donné qu'en fait, ils ont visé la main, et il va faire une radio demain. On est à rue Montparnasse, dans le deuxième arrondissement. 111 rue Montparnasse. Il y a quelqu'un qui veut lancer une collecte pour l'équipement. Ça serait vraiment sympa, ça. Mais c'est vrai qu'un petit crowdfunding pour aider tous les périscopeurs à s'équiper de batteries et de machins, ouais. C'est vrai que ce serait super cool parce que mine de rien... Et de casques. Et de casques aussi, ouais. Parce que... Et de masques. Risqué, hein. Parce qu'en fait, ça devient risqué hein, au fur et à mesure de faire du périscope. Ouais. Hein. Oh, de Malaga, énorme. Alors, a priori, quelqu'un me dit que l'autre groupe va nous rejoindre. Ah ouais. Il faut absolument hein, qu'on ait les contacts, Rémi, toi et moi, ouais. Voire même vraiment, les autres. Il faut vraiment faire bouger ça. C'est... Parce que avec l'oreillette, on pourrait avoir en plus. Ouais. Ce serait quand même hyper pratique. Quoi. Ouais, pour communiquer ensemble avec un tech équipe. Bah ouais, comme ça, au moins, on couvre de manière intelligente. Quoi. Ouais, 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 exact. Voilà, ça s'organise, hein. Notre petite commission, Périscope Debout, voilà. S'organise, en live. Alors, pour toi, donc, tu m'as revenu il y a quoi ? Ce qui s'est passé, c'est que je suis fait m'attraquer par derrière, par le CRS, parce que j'étais un des premiers arrivés sur les lieux. Il y avait un photographe là qui était cool au CRS, qui n'a rien eu, donc je ne peux pas traiter mon téléphone et ma main. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais maintenant, là, le périscope, ça commence à faire des... bouger même les médias mainstream, parce que là, il y a RFM Live qui vient d'être créé aujourd'hui. Ah, RFM Live. Ouais, avec Facebook Live. Donc, moi, hier, je me suis fait suivre pendant une heure par France 5, ouais. Qui, du coup, comprenait pas ce qui se passait. Et voilà, c'est vrai que là, maintenant, avec un téléphone, encore, moi, j'ai pas le dernier cri, mais voilà. Si on a le dernier cri, on a une définition mieux qu'eux. Ouais. Là, avec la petite lampe, le truc en USB, bah, on est à la lampe, tout va bien. Et on est en direct. Donc c'est vrai que c'est vraiment un nouveau média qui vient de se créer. C'est vraiment un gros changement au niveau de la... On se réapproprie les médias, hein. C'est quand même pas rien. Ah, oui. C'est pas anecdotique du tout. Bah, d'ailleurs, si vous souhaitez, j'ai parlé au micro tout à l'heure à l'AG concernant une vidéo. Attendez, une vidéo. Je vais vous... On va profiter, donc c'est Benito qui parle. Voilà, donc c'est Benito. Un autre périscopeur
Donc je disais, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, je suis passé à l'AG, au micro à l'Assemblée Générale, pour parler d'une vidéo que j'ai diffusée sur Periscope. Donc c'est ta vidéo de la soupe qui était renversée, qui a été... Oh là, attention, il y a un truc qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quoi ? Ah d'accord, ouais, bon, c'est l'alcool qui fait des ravages. D'accord, voilà. We want wanna jam in. Donc tu disais. Oui, donc je disais, je suis passé à l'AG tout à l'heure pour parler justement des journalistes. Ce qui s'est passé, c'est que hier j'ai filmé le problème avec la soupe qui était renversée par les policiers, par les CRS. Et c'est pas les CRS, c'est la police. Ouais, ouais, bah regarde. C'était la police. Voilà ce que vous faites, les CRS, c'est les maïs, par derrière. Alors, je rappelle les faits parce que je peux me faire... Mais c'est la police, c'est pas les CRS. Donc c'est la police, ce ne sont même pas les CRS. C'est la gendarmerie. La gendarmerie. Non, c'est pas la gendarmerie. Bah moi, derrière, il y a marqué gendarmerie. C'est la police, ils ont pas l'armure. C'est la police. C'est la police, c'est la police. D'accord. Donc, je me suis fait matraquer par derrière la main et le téléphone. Et il y avait un photographe à côté de moi qui n'a rien eu, qui était collé au CRS. Donc j'étais le premier arrivé sur les lieux. Tu l'as filmé en train de se faire... Non. Non, et ensuite quand le téléphone est tombé, qui était cassé, ils ont rigolé parce qu'en face il y avait un magasin. Ah, ouais. Un peu de carburant buccal au top. En fait, j'ai été ramené ici dans une histoire de fou, mais c'est encore rentré chez moi. Le mec, le Mika. Merde, j'ai presque fini, c'est pas grave. Le message va se prendre la tête. Pour un flic pas si bien qu'un bandeau rouge, il est juste un peu. Oui, non mais. Oui, non mais. Pour un flic, je sais pas pourquoi il s'excite contre lui. Voilà, attention.